the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all the way, but I remember everything. But you can have it all, my sweetest friend. Everyone I know go away at the end. And you can have it all, Salut YouTube, Eric Le Goat, Chigalago Music. Je voudrais vous présenter aujourd'hui le morceau Hurt, qui est une reprise de Johnny Cash. L'auteur de ce morceau étant Trent Reznor, le musicien fondateur du groupe de métal industriel Nine Inch Nails. Voilà, donc Johnny Cash a sorti ça sur son album American 4, The Man Comes Around, qui est sorti en 2002, voilà, qui a été un grand succès. Si vous ne connaissez pas ce morceau, ou si vous le connaissez mais vous n'avez pas été consulter les clips, je vous conseille vraiment d'y aller, c'est vraiment très émouvant. Voilà, c'est un morceau que j'aime particulièrement et que je vais vous décortiquer aujourd'hui pour vous. Également, sur mon site www.galagomusic.com, dans la rubrique cours gratuit, il y a un petit élément qui s'appelle le Galagoton, qui est en fait un système qui permet, si vous le souhaitez, de me laisser quelques euros via PayPal ou par carte bleue. Voilà, ça me permettra de, voilà, de continuer à fournir des tutos de qualité, enfin, du moins je l'espère. Voilà, et ben on attaque direct, hein. Je vous montre les accords et tout ça, et ça devrait passer tout seul. Alors, pour les accords, il y en a 5 qui vont être un petit peu traficotés en cours de route, donc voici déjà les versions standard des accords utilisés. La mineur. Voilà, tranquillou. Hein. Deuxième case. Première case de la corde de si. Clac. Vous collez toujours le doigt à la frette. Alors, on m'a demandé pourquoi est-ce que je disais toujours de coller le doigt à la frette. Et ben, c'est tout simplement parce que si vous mettez les doigts un peu plus vers la gauche, les notes risquent de friser un peu. Alors, si on appuie fort, ça va sortir, certes, mais... Hop, ménageons nos efforts, et clac, et rapprochons-nous des frettes. C'était la mineure, le pouce hein, par-dessus le gros mi, sans appuyer, pour que la corde soit bloquée. La mineure, ensuite on va avoir un do majeur. Donc, si c'est la première fois que vous trouvez cet enchaînement, travaillez-le énormément, parce qu'on le trouve très souvent. Et je rime sans m'en apercevoir. La mineure, clac, il y a deux doigts en commun quand on va vers le do. L'annulaire s'étire pour aller en troisième case de la corde de La. Et là, pareil, j'essaye d'appuyer vraiment en bout de case, parce que sinon, ça va donner un truc comme ça, tout moche. D'accord ? La mineur, Do. Ensuite, on a un Ré majeur. Voilà, le petit triangle, là. Hein. Donc, deuxième case du petit Mi avec le majeur, troisième case de la corde de Si, deuxième case de la corde de Sol. Navré pour tous ceux qui connaissent déjà ces accords, mais je suis bien obligé d'expliquer aussi pour tout le monde. Ensuite, on va trouver un accord de Sol majeur, que vous pouvez faire de deux façons. La plus pratique, dans ce cas de figure, c'est de conserver l'annulaire là où il est, de rajouter le petit doigt en troisième case, clac, de l'accord de Mi, et avec le majeur et l'index, vous appuyez sur la troisième case du gros Mi, et la deuxième case du La. Si vous connaissez cette position, si vous connaissez l'accord de Sol avec ce positionnement, ça fonctionne aussi, hein, c'est comme vous voulez. D'ailleurs, je crois que j'ai utilisé celui-là dans la démo, je ne sais plus. Et puis, un accord de Fa. Alors ça, c'est un bébé Fa, c'est-à-dire troisième case de l'accord de Ré, deuxième case de l'accord de Sol et première case de l'accord de Si. C'est une petite diagonale, d'accord. Vous pouvez laisser le petit Mi à vide.
Voilà, donc ça c'était les versions, et vous pouvez également, c'est même préférable, bloquer le gros mi avec le pouce. D'accord ? Par-dessus ces accords, on va trouver à certains moments donnés, notamment sur le La mineur, une extension de l'accord. C'est-à-dire que ça va devenir un La mineur 7 en appuyant le petit doigt sur la troisième case du petit mi. Vous entendez ce sol, 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 dont je vais reparler un peu plus tard. Sur l'accord de Do majeur également, peut le faire. Faisons-le. C'est tout, donc ce, le nom de l'accord ne change pas, hein, c'est toujours un Do majeur. Sur le Ré majeur petit triangle, au tout départ dans le riff, on va le trouver sans le majeur, c'est-à-dire que le petit mi va se retrouver à vide. Donc c'est un accord de Ré seconde suspendue, ou Ré sus 2, bon. Et sur l'accord de Fa, le bébé Fa, on va également rajouter la note Sol en troisième case, là, tout au bout. Clac. Donc si vous voulez être vraiment top, vous essayez d'enfoncer avec le pouce la première case là, du gros mi. On va voir la note Fa. Et puis voilà, pour la main gauche, c'est fini. Alors, pour vous parler de l'introduction, je reste en plan rapproché comme ça, pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc on va trouver trois accords. La mineur, Do et Ré. D'accord ? Donc vous vous placez en La mineur au départ. Et au niveau du rythme, on va trouver deux croches blanches pointées. Ce qui va donner, hein, physiquement, ça va donner ça. 3, 4, d'accord ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai gratté une fois la corde de La, une fois la corde de Ré, et les trois dernières cordes d'un coup. Alors, vous pouvez le gratter comme ça, c'est-à-dire en cognant chaque corde les unes à la suite des autres, ou bien utiliser la technique du sweeping. Donc, sweep, ça veut dire balayer en anglais. Donc, vous vous placez par-dessus le La et vous poussez. Alors c'est pas forcément facile, hein. Au départ ça risque de tomber un peu n'importe comment. Moi j'aime bien faire ça. Vous faites comme vous voulez, hein. Soit ça. Ouais. Soit. D'accord. Ensuite on a l'accord de Do majeur. L'accord de Do majeur, c'est exactement la même chose. Au départ. Et on va rejouer. La note Do, là, en troisième case de la corde de La. Donc, je recommence en Do. D'accord ? Encore une fois. Deux, croche. Ok ? Je fais les deux d'affilée. La mineure. Deux, croche. Trois, quatre. Deux, croche. Ok ? Bossez bien ce truc-là, notamment le saut de corde, là, qui risque de vous poser un petit peu problème. Ça va, peut-être, hein. Ah, bah si je regarde pas. Et pour terminer, l'accord de Ré. Donc la toute première fois du refrain, de l'intro, il fait le Ré sus 2, c'est-à-dire sans le majeur. Ce qui va donner, vous partez de l'accord de Ré cette fois-ci. Ah là là ! D'accord ? Corde de Ré, corde de Sol, les deux petites, et vous rejouez le Ré à vide. Je vous refais le Do suivi du Ré suspendu. D'accord ? Je vous refais toute l'intro. Je me recule un petit peu et comme ça, je vous incruste la table là, sur en dessous. C'est hyper ! Allez, je me mets là, hein, c'est quand même plus pratique. Alors, 3, 4. Ouais, un peu plus vite quand même. 3, 4, 2. Dernière fois. 3, 4. D'accord. Une fois que vous avez fait ça une fois, vous recommencez une seconde fois et cette fois-ci le Ré ne sera plus suspendu, mais sera Ré majeur, donc le petit triangle. Vous rajouterez donc le majeur en deuxième case. Donc je vous fais la deuxième fois justement donc de l'intro. Donc, pareil sur le La mineur au début. Do. Les deux fois de l'intro et c'est fini avec ça. 3, 4. Première fois suspendu. Deuxième fois. 3, 4.
va trouver dans les couplets. Beaucoup, beaucoup. Voilà, donc maintenant, je me recule un petit peu et je vais vous montrer le restant du morceau. Donc, une fois que vous connaissez bien cette intro, ça me fait gagner du temps puisque les couplets, c'est la même chose, sauf qu'il reste en ré majeur, il ne fait pas le ré suspendu. Vous pouvez le faire si vous le voulez, hein, de toute façon, après, on peut modifier les trucs, mais il me semble que dans l'enregistrement, après, il reste en ré majeur, je crois. Donc, les couplets, on va les avoir 4 fois avant de passer à la suite. Donc, c'est parti. Alors, je ne vais pas vous le faire 4 fois, je vais vous le faire une seule fois et enquiller sur le restant du morceau. On dit que c'est la 4e fois du couplet, d'accord ? Ça fait ça. Et là, au lieu de revenir en la mineur, il va balancer l'accord de sol, que vous faites comme vous voulez, hein, soit comme ça, soit comme ça. Et cet accord de sol, on va rentrer dans la rythmique même du morceau, qui est très très simple, vous allez adorer. Ça fait 8 coups vers le bas pour une mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et ce sera ça pendant tout le pré-refrain et le refrain qui va suivre. Au niveau de cette rythmique, on va la faire une fois ensemble, parce que ça a beau être que 8 coups vers le bas. 4, 5, 6, 7, 8. On va essayer de rajouter ce qu'on appelle les accents. Si vous êtes habitué de Galago Music, vous êtes obligé de connaître les accents. Donc vous savez qu'on les place évidemment sur la 3e et la 7e croche, de manière à marquer ce qu'on appelle l'afterbeat. Voilà, hein, c'est le coup de Kessler de la batterie dans un groupe. Et ça donnerait donc ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok ? Une dernière fois ensemble, pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, la 4e fois du couplet, encore une fois. Donc, après je vous ai dit oui, qu'on arrivait sur l'accord de sol, et cet accord de sol, on va le gratter pendant une mesure, c'est-à-dire 8 fois. Donc, 4e fois du couplet, transition, et on attaquera le pré-refrain. C'est parti. Vous allez conserver le petit doigt là où il est, parce que c'est à ce moment-là en fait qu'on arrive avec les accords qui sont un petit peu traficotés comme ça. Donc dans ce pré-refrain, on va trouver la mineur 7, après Fa 9e, donc Fa petit doigt quoi, après le Do, et encore le Sol, d'accord ? Donc une mesure de chaque. Donc pré-refrain, c'est parti. Ça une deuxième fois. Je ne sais pas comment dans les paroles là, mais. Et là, on arrive sur le refrain. Donc, le refrain, c'est presque la même chose. Ça va nous donner une mesure de la mineur 7, une mesure de Fa 9e, et ce coup-ci, deux mesures de Sol d'affilée. D'accord ? Ensuite, on aura une mesure de la mineur 7, une mesure de Fa 9e et une seule mesure de Sol. Et ce sera quasiment terminé. Je vous fais tout le refrain. 3. Alors, il chante quoi là ? Excusez-moi, je regarde les paroles. And you can have it all. Ok. 3, 4. And you can have it all. 4, 5, 6, 7. Le Sol. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 1, 2, 3, 4, 5. On repart en la mineur 7. De Fa 9e, la mesure de Sol, et l'attention de 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi j'adore, c'est trop beau! Voilà, donc là vous avez toute la grille en fait du morceau. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais peut-être essayer. Non, je vais pas le faire une fois en entier parce que je trouve ça toujours très très long. Je vais plutôt vous marquer sur le côté le nombre de fois où on va trouver chacune des parties. Voilà, je pense que c'est le mieux. Hein. Donc on est parti au début. Intro. Je la refais, j'aime bien. Mmh.
ensuite le sol, transition, une seule mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Pré-refrain ensuite deux fois. Il reprend, doublé ou pas, faudra réécouter, navré. Il reprend le couplet encore 4 fois. Donc, il reprend cette histoire là. On est sur la deuxième tournerie. On dit qu'on l'a fait 4 fois parce que ça va. Une mesure de sol en transition. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on a à nouveau le pré-refrain 2 fois. Vous connaissez pas le morceau, donc allez l'écouter. Et si vous le connaissez déjà, vous aurez peut-être remarqué que vraiment ce sol là est très insistant de plus en plus. Moi je vois ça comme un leitmotiv, voilà, du temps qui passe quoi. Et ce gros crescendo à la fin, comme ça, il en peut plus. Et plutôt que de terminer sur un La mineur bêtement, alors le premier accord par lequel on a commencé, il termine sur un La, sur un Sol. Ça voudrait tu down. Oui, c'est ça, il mélange une des notes à la voix, il mélange une des notes de l'accord de La, tout en finissant à la guitare sur l'accord de Sol. Je trouve ça super bien joué, voilà. Très émouvant tout ça. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, je pense n'avoir rien oublié. Si ce n'est que, bah si, allez visiter galagomusique.com, encore et toujours, s'il vous plaît, merci beaucoup. Eh ben écoutez, je vous dis à très bientôt. Jouez bien, je suis bien content de vous retrouver. C'est quoi ma formule de fin? Ouais, à bientôt, ciao.